Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour tous les fanatiques, Auditeurs, auditrices qui branchent radio, parler Haïti, Chanel, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales et qui papa bon Dieu bénit nous. Nous saluons chaque grand fanatique qui est international là, fanatique qui est dans le pays d'Haïti, qui branché parler Haïti. Jeudi, c'est lundi, exactement, c'est 17 juin 2024. Salut équipe là. Salut Ronnie Bout-Tonton. Bout-Tonton qui l'a fait manœuvre technique pour nous. Merci un peu le Bout-Tonton. Et nous voilà avec information, mesdames, messieurs. Dans le moment où on a parlé là, dans la Timonite, peuple a mis la patte sur un bandit là et il a mis chez Boakale. Dans le moment où on prend un bandit là, on montre une image là. Le chef gang, moun la Timonite Kembe là, eh bien, il a déjà avoué d'aller dans le pays sans chapeau. On a demandé avec Ronnie Bout-Tonton, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une chance là, faire nous bandit ça, ok? Et n'a pas qui pour moun yo wè bandi sa ki pran Boakale jodi a la. Oh, image la pa bon, mes amis, image la pa bon parce que yo avant yo touye bandi a, yo kase tèt li en pile sang, en pile sang nan tèt li. Et c'est ça qui fait nou pa ka montre image la, ok? Nou pa ka montre image la, mais et d'après ça n'a pas gardé la zanmim bandi sa rele a kan, a kan seyid. Ok, à Kanseïd, dans la Tibonite, eh bien, côté Michel lui-même, il prend Boakale, je veux dire, un chef gang qui fait partie gang Grand Griffe, d'après information nous jeune. Bien, peuple là, mettez la patte sous Michel, il a arrêté Michel, il a tué. Ok, il a tué. Là, il est dans le pays sans chapeau. Ok, voilà. Bravo avec Moun et la Tibonite, Moun Liankou, qui font bel travail, je dis à la, travail la belle li jolie, puisque gang ça, ils mettaient la patte sous lui, ils voulaient aller dans le pays sans chapeau. Mesdames, messieurs, moi, je fais un don dossier. Tenez bien. L'eau pas capable de sortir dans les yeux, pour façon responsable policier. Ok? Soi-disant. Yo la cause, messieurs, ça, moi, je fais un don avec un pile d'où la peut expliquer façon, yo te acquise inutilement, jusqu'à ce que li vin fè stroke. Li avec li pa ka jwenn soutien nécessaire. Michi t'a expliqué pour journaliste guerrier comment nèg yo metel trois cabo. Li avec il nèg yo cause li avec. Entendi ensemble mesdames messieurs, citoyens d'Orléans li. N'a tourné. Y a une enquête sous li pour ça arriver en dedans espace isolement. Il est bulletin presque un mois pour mener l'hôpital. Yeah, donc il y a un bagage, besoin de répéter là parce que tout pendant mon isolement, bagage personne ici, bagage famille ici, bagage monde qui vit nous même. Bagage moi c'est mon capaïtien mais c'est pas de peur après sous pièce moi, mais c'est capaïtien en fait. Donc ça n'a pas intéressé comme si ni chef de poste ni responsable commissariat ou un policier là. Il n'y a pas jamais personne de Noël, ça va intéresser. Qui ça le mange, ou pas qu'on est. Ok, donc, problème est en pile. Moi, je passe là, je passe dans le sens que, pour me dire, il y a trois personnes qui me disent merci. Je me dis merci avec DDA. Valérie Nima, je me dis merci parce que son monde m'entendait chaque jour. Et l'émission qu'elle fait permet que si je vis toujours, c'est un homme qui fait ma vie. Et puis après ça, c'est madame moi. Et puis moi, on l'autre belle dame qui c'est Annie. Le site à mon ça m'a dit merci. C'est moi qui permet jusqu'à présent ma vivre là. Parce que moi même pour moi, sans eux, m'pas ouais qui raison que fait ma vivre toujours, ok? Mais comme toujours, il y a mon cap encourage et cap du, ok? Donc ça qui arrive, pas pour ce site, ok? Donc moi passe là pour m'adresser au plus haut niveau de l'État. Toutefois, il y a urgence parce que malgré médecin et bien tout le papier médical là, malgré spécialiste, je dis moi que c'est un air qui me gagne. OK, qui alors il était dit qui pétait. OK. Donc c'est lui qui provoquait un décollement rétinien. Donc toutefois, il y a une intervention qui faite. Donc c'est possible pour moi ouais, encore. Ok? Mais intervention ça, il n'est pas qu'à faire
Haïti. Non, li pa ka fèt Haïti, men li gen dwa fèt soit en République Dominicaine ou bien Cuba. OK, c'est possible. Et m'a dit que c'est pas m'pa gen problème comme si m'pa jam gen problème moyen pour me déplacer de Haïti à l'autre côté. M'se un homme qui pa jam wèm a pa le travail, j'en ai toujours dit là pour blanc, m'a pa levé bout de sac. M'te toujours quoi que m'ka vive Haïti. C'est ça m'te quoi. Et souvent de m'a parlé comme ça, c'est stock là qui fait ça, qui permet l'engagement normal, mais malheureusement, nous trouvons dans une situation ça. Bon, on a vu un gens qui parle drôle, qui a vu un gens qui dit que c'est peut-être vieux bagage policier a été fait, mais non, ça n'a pas de gens qui pourquoi j'aime faire pour moi pendant que je travaille. Ça n'a pas de quoi j'aime faire. Puis, gros, défaut que je parle de ce que je et que. Moi je donne ta parole de l'Italie là. Ouais, moi dit le défaut pourtant son qualité. Moi c'est un monde qui pas qu'à vivre côté comme si m'a vu dans commissariat. Te mettre gain 1000 policiers dans commissariat avec moi commissariat sale. Ça lui m'a fait travailler là-dedans que policier comme si recommencer faire ça là là-dedans m'a nettoyer. Ouais, moi de ça c'est défaut parce que son monde comme ça. Donc, je suis moi avec l'État, ou puis au niveau de l'État, et toutefois, il y a tant de moins, et qu'il y a une intervention qui est capable de faire. Donc, si vous faites pour moi, je suis très content, et puis je dis merci encore avec nous, qui choisit de recevoir le matin. Hein. Le problème est en pile, nous sommes venus là, nous parlons en pile de sa capacité d'institution, mais même si nous avons dit tout ça, je ne sais pas quoi, il suffit. Je dis merci en pile pour le moment, ça va nous permettre que. Nous transmettons le message là. Donc, je pense que y a des gens qui ont des autorités qui ont parlé. Et alors, qui ont des nous là. Et que toutefois, ils ont fait une intervention. Ils ont capable de jouer un guerrier. Ok? Ils ont un numéro, ils ont capable de jouer nous. Et ma bonne numéro moins. Parce que je n'ai pas besoin peut-être rien dans le même monde. Là, je n'ai pas besoin de ça. Toutefois, il y a une intervention qui a fait. Je pense que c'est le qui est important. Ce besoin là, c'est permettre. Pour l'institution Taïdo, aller voir un spécialiste. Oui. Yeah. Oui. Non, mais pendant, après ça, je suis passé là, il y a un service bien-être dans la police là, on va contacter eux, qui démarche ou tu fais pour ça, avant même qu'on vienne. Premièrement, bien-être là, sont ensemble, guerrier. Moi, je me permets de dire ça parce que, je viens de voir là, je mets au Chita, ou bien je mets au non-lice. Les armes mettent dans la liste policiers inactifs, alors c'est normal. Mais après, il n'y a pas aucun suivi, il n'y a pas le fait pour. Oui, mais oui, des policiers, ils prennent soin quand même. À l'étranger, pas vrai? Bon, oui, mais est-ce que c'est n'importe qui policier? Je ne sais pas ça, non? Je ne sais pas c'est n'importe qui policier. Grand problème au niveau pays, il y a des gens qui ont des noms. Faut avoir un gros nom. Et le présenter de tout côté, oui. On dirait qu'il n'y a pas être dans toute institution, presque, c'est comme si même mon nom. Ou il est là, même le directeur général là, qui c'est, il a toujours dit comme mon papa, pour t'avoir là, ou qu'à marcher côté, le bouquet marche côté, l'arrivé. Bon, si ou même qui part, ouais, ou un problème qui est urgent, il a besoin, ouais, directeur général, et puis, même s'il est là, il y a de la réunion, il y a de la nécessité, bon, voilà, ouais. Donc c'est difficile, comme si par bon, je peut-être si tu es gagné, qu'on y a pas quoi gagner peut-être si t'es bon jour qu'on on t'a ou t'as vu un directeur général là peut-être c'est lui même qui t'es capable de faire intervention pour et que t'as capable ensemble avec laisse ambassade là bon mais pas quoi le comme ça donc c'est difficile m'a dit merci avec porte-parole là et c'est lui qui t'es ouais alors le t'es ouais et puis le t'es ferme à le côté chef cabinet à nous t'es parlé sous dossier pas maintenant. Malgré le rapport, tu es allé depuis 29 et dans le mois de mars. Là. Donc, si tu as suivi, je pense que c'est peut-être ce qu'on a, parce que tu n'as pas besoin de suivre avec elle. Et je dis, institution, il faut penser par moi-même, tant que moi. Moi, pas ouais. Mais il y a l'autre police qui est victime, c'est pied, c'est balle pendant le pied. Donc, ou handicapé. Vous pas révoqué? Non, je pas révoqué. Pas révoqué. Ok. Donc, mais est-ce que. Alors, moi, j'ai une information qui fait que vous avez abandonné pour quelques jours avant la police te joint nous, dans un caille, lit la voix. Non, ça n'a pas aucun rapport. Ça, c'est pas les réseaux sociaux qui ont parlé. Je n'ai jamais abandonné pour ça. D'ailleurs, mal travail Saint-Marc. Je fais 3 mois, je travaille. 3 mois chaque jour, je travaille Saint-Marc. Et dans le blend de Carrefour là.
chaque jour. OK, moi quitter Saint-Marc 26, OK. Le m'a tourné le 4, c'est dans la soirée ça a passé. Donc m'a jamais abandonné poste. C'est-à-dire responsable alors où t'es affecté Saint-Marc? Oui, Saint-Marc. Alors ça va dire là responsable commissaire. Oui. Moi bon rapport. Là. C'est Udmo. Na Udmo. Ouais, quand on gagne doit garder rapport après et DDA qui c'est Paul Mena, les deux ces rapport normalement. Pour l'expliquer comment ça passe. Ok. Donc si vous parlez de clameur public, mais c'est pas de clameur public, c'est jamais ce que l'IA. Et ensuite, monsieur qui est dans le syndicat, yo, bon, parler avec Lazare, comme c'est lui, il toujours temps de. Et Johnny, l'homme Sinavoa. Et Sinavoa a venu vraiment dans l'isolement. Sinavoa, au contraire, l'organ policier peut-être autant de désinformations. Je pense ou pas de affoler. Je crois que l'homme Sinavoa c'est dans le commissariat. Il était carrément de plus d'informations qui s'est passé. Et puis après, si il y a un suivi que tu as fait, je pense nécessairement que tu as de faire suivi. Mais Sinavoa lui-même, c'est information qu'il devait chercher pour te faire buzz. Tandis que l'autre monde a des informations. Et monsieur, essayez font une enquête grand pile policier. Grand pile policier. Policier pareil. Moi, il y a des informations qui doivent dans le policier. Vos informations, grand pile dans eux qui ne doivent pas barrer. Parce que c'est une question de colonne entre agent avec agent, c'est une question de promotion, c'est une question de clan. Moi-même, je suis qui farouche en pile, tant que moi-même. Puis le problème, peut-être, en policier qui a gravé. Parce que je me farouche policier en pile dans le sens blague, ok? C'est seulement ça. Donc après ça, toute information peut-être rien doit attendre. Moi-même, il y a un travail qui fait impact sur moi plus, c'est l'emmener dans le deuxième jour. Et puis, il y a envahi les réseaux sociaux, il y a un paquet de gens qui disent, il y a un policier ça, il y a un bel, mais il n'y a pas de présenter. Même mon grand gâteau, j'étais un radio policier. Et puis, en tant que tête qui t'a parlé de ça, tout, bah, là, il fait mal. Il fait presque un mois. Bah, j'aime parler avec madame, moi. Ok? Ça te fait mal, en ville. Jusqu'à ce que ça arrive. Alors, non, document ça, moi, je vais poter signature Paul Mena au bon moyen. Donc, nous, on dit que c'est population, quoi, des bouquets qui étaient. Oui, c'est ça, ça a été fait comme rapport, bien. Yeah. Ok. À la police, à la c'est police, ça? Yeah. Mais au même moment, c'est OK, à l'entête tout. Non, c'est deux messieurs qui accompagnent, parce que je ne suis pas dans la zone. OK. Moi, je dis, mais écoutez, je suis sorti, mais ça, mais écoutez, je parle. Et puis, je dis, ah, mais OK, pour vérifier si c'est un bon moment, je dis, eh bien, quand je suis commissaire, là, on a tombé dans la donne. C'est pour ça, à qui côté? Et c'est ça. OK. Et puis, moi, tout va ensemble avec eux. Et puis, c'est le même, moi, je parle de ces policiers. Ok. Ah, donc, on ne pas dire que c'est policier? Non, on ne pas dire que c'est policier. Ok. Yeah. Ok. Eh bien, on a pas résumé. Là où seul soit besoin, c'est permettre que l'État haïtien et d'où on spécialise pour être capable de regarder comment on est capable de gagner et retourner ouais, normalement. Normal, oui. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout? Non, on ne pas ouais, du tout. Ok. Mais tant que je pas ouais mais je suis normal comme si c'est pas il pas fait mal longtemps peut-être moi qu'on fait mal mais après ça je suis normal. OK. Il pas fermé non yo. Non, il pas fermé. Il pas fermé. OK, okay. Soit regarder moi doit avancer son monde qui wow, okay. Même pas ouais. Oh, yeah. Yeah. Voilà. Donc policier Benson Etienne agent 2. On dit que c'est 27e promotion. 27e promotion. Donc, quelque chose que tu as gagné. En plus, donc, nous-mêmes, nous faisons partie par nous, hein, qui se permettent que vous faites message de passé. Effectivement. Donc, nous. Donc, ma petite téléphone maintenant, mon babé est sur les pas zones. Problème. Parce que pas besoin. Pas besoin de mon cash, pas besoin de bagages. Bon Dieu, bon, fais mon grâce à la. On a un moyen pour fonctionner, mais seulement si l'État est capable de faire ça, faciliter ça, je dis merci. Ok. On dit que je marche à ZAM. Non, ZAM, depuis que je suis sorti dans la police, je n'ai pas utilisé ZAM, mais ZAM là. ZAM là, dernièrement, inspection générale, plusieurs chefs m'ont détaché ensemble avec eux.
qu'on fait un saisie chèque moi-même pour le carré Zamoué. Zamoué dans boîte, exactement boîte, tu vas venir là-dedans. Non, mais il est allé Carrefour Pay dans Blender. Moi, je travaille avec Galil ou bien l'autre Zam Police. Ok, Zam du service. Yeah. Ok. Ok, eh bien, vraiment. Qui est-ce qui vient Gilles? Ok, vous voyez ces informations, moi, plus directeur. Ok, on met. Ok, d'accord. Ok, on met Fontitan, moi, d'accord? Je suis capable de prendre contact et puis regarder. Yes. Ok, d'accord. Merci un peu, Kaye, merci Johnny, merci Guerrier. D'accord, frère. D'accord. Johnny. Oh, aidez-le moi, Johnny. Voilà, Caraïbes FM, journal créole, première occasion à poursuivre encore, à reprendre message ça pour plusieurs. Oui, plusieurs policiers qui malades, qui ont même souhaité direction générale de la police là penché sous caillou pour qu'un policier ça qui dans pays Cuba qui gagnait 8 mois depuis il était metté le dehors dans l'hôpital là encore c'est pas des moyens pour payer. Donc ils souhaitaient que direction la police là tenu compte de policiers qui malades qui prend soin soit en Haïti ou bien à l'étranger. Gagnait un groupe policier Polyfront qui a travaillé mal passe depuis environ 4 mois pendant il était allé pour faire 22 jours. Après, pour yon l'autre groupe, t'es capable de lever yo. Yo quitté Port-au-Prince depuis 16 février pour yon retourner 9 mars. Jusqu'à présent, yo encore mal passe. Groupe l'an réduit quoi elle est là. Gagnon qui décide de rentrer. Gagnon qui était malade de médicaments fini. Il est rentré la cali. Après 2 jours, il est mort. Gagnon qui a un problème estomac. Pourquoi elle est là? C'est groupe qui était pas gain temps. Mesdames, Messieurs, nous continuons avec les dossiers. Et Gary Conny, Félix et Capable. Nous avons dit ça déjà, c'est joué Matéli. Ok, il fait tout le monde suspect, il n'est pas venu régler rien pour le pays vrai. Parce qu'il mettait Nesui Maniga, chef cabinet dans le pays. Le pays, ça fait des problèmes. Eh bien, les journalistes, là, messieurs, ont parlé, ont critiqué Gary Conny qui fouillait, qui prend joué Matéli. Et pareil, qui c'est Nesui Maniga qui fait un pile temps dans tête éducation pays, qui n'a pas réglé rien. Mesdames, Messieurs, dans le pays d'Haïti. Alors, nous allons faire entendre plus de détails par rapport avec les journalistes Kabo, avec tous les amis nous, Ougou, et bien, qui parle bailler plus de détails et bien, par rapport avec Gary Conny lui-même, et cap travail pour le faire blanc américain plaisir, l'a travail pour satisfaire et tel qu'Ali Michel Matéli. Et restez branchés, mesdames, Messieurs, entendez ensemble, l'a tourné. Gary Conny retourné avec Nesmi Ali comme chef cabinet. Ouais, Nesmi Ali, gars, ouais, comme si son nègre coquille dans gorge lui, il dit, moi, je vais dégager, mettez l'autre côté pour moi. Qu'est-ce que ça bagaille là, yé? Dégagez, mettez l'autre côté pour moi. Mais qu'on y a là, ou qu'on Nesmi qui t'a cherché à arrêter dans l'éducation, pas qu'arrêter, ou qu'on Nesmi qui cap cap, alors, nommé, qui t'a cherché à vous l'aider. Nous, clair. Qui t'a cherché à vous l'aider, yé, pas capable, qu'on a Kembel comme. Les labyrinthes. Mais les chefs cabinet. Chef cabinet. Ah, mais dis-le vite. Et tête pensante. Eh, mais on a des ministres, oui. Chef cabinet. C'est mon cap coupé cap raché. C'était pas ça là, oui. Tête pas ça, c'est le cap géré bosser. Exactement. Là, nous avons commencé à poser des questions. Est-ce que Gary Conny pas gon secteur de la travail? Est-ce que Gary Conny pas gon secteur de la travail? Vous parlez de revue ministère. Vous venez avec 4 ministères, ministre délégué, ministre sans portefeuille. Nouvelle arrêté à garder le pouvoir. Nous prenons nous mêlons les pirates de gros mêlés, gros manitou de. Et nous devons clair sur ça. Ouais, coûte que pour là. Coûte que pour là. Le couille de la mission dans l'éducation. L'île qui a viré avec l'intérieur. Le couille dans l'autre côté. Mais vous avez le chaviré avec l'île directeur cabinet. Et côté moun là. Et ça, il y a une bagaille pour me dire que. Enquête pour calmer sur FNL. Il n'y a pas de résultat, non? Il n'y a pas de résultat, non? Nous mêlons. Vous n'avez pas de la cité dans le côté. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, me le montre. Même le temps de l'US, c'est pas son rapport. Côté FN, il n'y a pas un sérieux au niveau de la justice. Parce que même les gens qui mettaient, même les gens qui ont cherché à fouiller, oh, pour une boue, et comment nous l'avons Nesmaniga, mais même les gens qui ont contrôlé la justice là. Même Mounsa, c'est lui qui m'a dit pour mettre juste l'inopio, juste Clowox. Et même Mounsa. Non, nous prenons. Posez la voix, comment nous y est? Non.
n'a pas parlé, n'a pas matin, on va aller. Bay radio à volume et puis pose n'a pas parlé en famille. On va aller. Pose la voix, bonjour, bonjour. Bonjour Telfort, bonjour Vladimir, je salue aussi et camarades qui sont panel là. Moi je salue tout staff radio Téléclair. Et moi je salue aussi toute Bossal et Bossales qui branché. Tout le monde conséquent dans la population haïtienne qui est consternée par des dérives qu'il a constaté au jour le jour. Monsieur, pour nous conseiller ce matin, ou de grand monde, ou de déjà, depuis notre première intervention ici, ou de clave nous, Gaïko Nilan, dans les expériences, même bagaille là, même plus mal. Bon, et si nous commençons à monter côté nous. Solution pays d'Haïti, il n'y a pas qu'à sortir de l'extérieur. Et tel fort, faut nous clé sur ça. Parce que et nos victimes de l'insouciance, nous, en tant que peuple, et sans notre manque de sens de l'histoire, il n'y a pas enseigné nous le sens de l'histoire pour nous comprendre comment devenir historique nous y est, contradiction interne pour nous maîtriser nous. Maîtriser le rôle international là joué en dedans pays. Tu m'expliques bien. Et je veux être clair ce matin, mettre un cadre pour nous comprendre. La corruption au niveau de l'État. La corruption au niveau de l'État, Pétion Sorel là, l'institut à partir de 1806. Okay. Et cette corruption, c'est une des raisons qui était faite de Saline de Moury avec la vérification des titres de propriété. Comprendre bien dont il est question. Corruption. C'est comme ce grand pibois qui est corrompu petit à petit, la miné jusqu'à ce qu'elle pourrit, les pacarites encore tombées. Eh bien, c'était l'objectif, en quelque sorte, du et communauté internationale là, de l'époque, c'est établir en place dans l'état colon corrompu qui inscrit tête et non perspective pour Haïti par exemple arriver à devenir un modèle dans le monde là. Et ceci, nous devons le remarquer. Yo puiser, yo reposer nos dettes pour nous payer. Et puis, à chaque fois, nous exprimons velléité pour nous capables de sortir en bas griffio pour nous prendre destin nous en main. Nous créons une crise systémique. Nous gagnons en 1848. Nous gagnons la révolution, tentative qui a été faite en 1858. Nous gagnons encore qui fait en 1946, qui parle bail 1986. Si nous remarquons bien, à chaque fois que tentative ça au fait, système n'a pas de capacité pour régénérer tête. À chaque fois. C'est toujours l'international qui vient au secours du système. À chaque fois, le système n'a essoufflé, l'international a venu au secours du système avec une solution maquillée, une solution déguisée. C'est ça que je me suis anticipé, je me suis que Gary Conny n'a pas de remettre rien. Parce que pour changer un système pour vider la terre, il faut une idéologie, il faut un régime politique, il faut des hommes qui partagent même vision, même conception et qui connaissent qui côté, qui ont un plan stratégique, un plan global stratégique, qui côté au pouvoir mener le pays dans 25-50 ans. C'est pas ça nous gagnons. Nous gagnons une classe politique désuète, finie, corrompue, censurée que le peuple a rejeté. Vous voyez Gary Conny a une mission claire. Pour le capable de renouveler même pas ça pour accoucher élection qui prend le fait là pour prendre pouvoir encore. Et nous prenons le parti pour l'autre 25 ans de corruption encore. Et c'est job ça. Même Jean Yoté fait avec Gérard Latortu, c'est exactement même jeu là pour le fait qu'à fait là. Bamba ou quelques indicateurs. Comment vrai pour Gary Conny prendre Esmi Manigal, mettre le chef. Gabriel, Gary Conny, voyons un message clair et c'est ministre de politique qui. Monsieur Manigal, oui. Attendez, c'est lui-même. Au fond, qui est-ce qui est premier ministre là? C'est Nesmi Manigal. Nesmi est le premier ministre. C'est lui, mais c'est lui chef de cabinet. C'est lui qui a décidé qui dossier, qui priorité pour le premier ministre. C'est lui qui contrôle tout notre gouvernement là, oui. Attendez bien, c'est lui. Tout ça, tout dossier qui sous table premier ministre, depuis ce monde qui impose Nesmi Maniga avec premier ministre, il contrôle tout dossier qui va le nommer premier ministre. Tout dossier. D'ailleurs,
Moun sa se li ka pou el avant premier ministre. Parce que li gen rapport pou le bay de tout sa ka passe en dedans primature lan. Se contrôle primature la yopon. Se ou yaj administratif. Non, 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 pou fonti kabe la. Mda bien, ou la, le de moun yo pi bien comprenne ki wol directeur kabine a même responsabilité gil genye. C'est monsieur qui bien pour comprendre le rôle du directeur cabinet. C'est lui-même qui décide. C'est lui qui contrôle l'agenda. C'est lui qui contrôle l'agenda, tout dossier, tout ça qui a discuté, tout le monde qui a ouais. C'est lui qui décide qui ça. C'est lui qui décide qui dossier cap en l'air, qui dossier cap en l'air, qui priorité. Qui priorité. Comment l'a acheminé. Qui monde qui a parlé avec le premier ministre. Qui est-ce qui va être supposé intervenir. Qui a mis tout le monde suppose pour dire, mais qui monde qui va accès en réalité avec le cabinet premier ministre. C'est lui pouvoir. C'est M. Smith Maniga qui pouvoir là. C'est lui qui est capable d'accès, qui est capable d'accès, qui est qui priorité, qui est pas priorité, qui est qui doit passer, qui est qui doit faire tel bagage, qui rencontre qui doit organiser pour tel jour. C'est décidé. Bon. Ou par contre, c'est comme si je me disais, c'est de chief of staff, Maison Blanche. De chief of staff, Maison Blanche, li solide passe yon secrétaire d'État. Parce que c'est lui en quelque sorte qui coordonnait les activités du premier ministre en termes d'action gouvernementale. Ça montre que M. Maniga a un gros tout tombé à lui là et Mais c'est exactement, c'est le symbole, c'est le symbole. Là, non seulement, monsieur le chef cabinet, mais le ministre intérieur est clair, oui. Allez, il parle contre le visa, là, pour des gars, il parle de la corruption. Là déjà pas une bataille contre corruption Jean pas une bataille contre ça. Pas une bataille. Ah c'est fou là. Nous connaissons nous-mêmes nos insouciants. Tu m'expliques bien, nous connaissons nos insouciants avec ce discours ça a fait nous dormir pendant 200 ans. Oui. Plus passer 200 ans. Plus que 200 ans. Oui. Et nous conscients que nous avons dormi avec ces beaux discours combattre corruption et nous connaissons. Là, nous dit corruption, on a parlé d'une machine. Oui, c'est une machine, c'est un système. On a parlé d'un système. C'est-à-dire que, ou pas combattre corruption comme ça, avec un grain de nez qui saute l'autre bord, et puis il a dans le pays, attend qu'on grain de maïs. Alors, hier, vous avez déjà annoncé pour matin, un deal qui gagne entre Gary Conille et Claude Joseph, c'est quoi le deal côté annoncé qu'on a expliqué le clair pour payer à matin? Bah, m'expliquez-nous bien de ce qu'il en est. Pour moi, je ne sais pas qu'on est Gary Conille. Gary Conille, et je vais montrer nous un indicateur clair pour nous comprendre. Gary Conille, joue ça nous là. Monsieur a une acquaintance avec un homme politique qui était posé candidat en Haïti en 2015. Que le docteur Dalmassi, qui est très influent dans la diaspora. Docteur Dalmassi, et docteur Dalmassi. Kessler Dalmassi. Kessler Dalmassi. Docteur Dalmassi lui-même. Oui, dans Brooklyn, monsieur opéré. Monsieur est condamné par la justice américaine en 2021 pour une corruption dans l'exercice qu'il a fait. Son équipe était déjà épinglé, il était en affaire avec la justice. Son ancien condamné. Il posé candidat. Basically, c'est la Kaili, Kaili Dalmassi, que Claude a fait réunion jusqu'à ce qu'il arrive côté l'IA. Faut nous comprendre bien l'enjeu dont il est question. C'est la bastion Chita rencontre les grands hommes, les nègres politiques qui ont vini et l'autre bois, les matélis descendent. C'est là qu'il y a Chita pour discuter en quelque sorte du rôle de place diaspora en dedans politique, en dedans pays d'Haïti. Il faut comprendre comment il est influent de la communauté haïtienne à Brooklyn. Maintenant, ce qui est important pour comprendre rien, c'est que il y a pas taré, il y a deux sœurs ensemble. Madame Conille, Gary Conille, oui,
Madame Côte Coniga et Gary Coni et madame qui c'est Betty en quelque sorte Betty et Rousseau Coni et okay. Madame Betty Rousseau Coni et madame et Dalmatie c'est sûr. OK. Ça ah, madame que... non madame deux... Gary Coni avec madame docteur Dalmatie c'est sûr. Oui, c'est sûr. Il y a très rapide, ça veut dire lien Dalmatie avec lien Coni. C'est bon bagay. Okay. Maintenant, il y a trois nègres qui trouvent là, dans le pouvoir là. Il y a Dalmatie, il y a Coni, il y a Claude Joseph. A remarqué. Ok. Qui est-ce qui propose pour le ministre des Affaires étrangères là? Pour être capable, Dominique Dupuy, pour être capable, en quelque sorte, représenter, aider, dans le conseil présidentiel. Dans le conseil présidentiel. Mm-hmm. C'était aider, c'était Claude. Mm-hmm. Ouais. Maintenant, qui est-ce qui retourne avec elle comme ministre affaires étrangères? Uh-huh. Vous pensez que c'est Gary Coni? Non. Bon, on va dire Gary. C'est Claude qui vient avec elle. C'est Claude qui propose par Gary Coni à travers Dieu. Pour gérer question corruption, Claude Brochit en dedans, ministère des Affaires étrangères. Non, on ne va pas parler là. Oui. C'est Claude qui propose la Gagoni, madame Dupuy. Gardez, tenez-vous bien. Tenez-vous bien pour comprendre. Peut-être que vous ne pas comprendre et m'a parlé à tout. Nous, même, nous allons voir ça dans un an, dans deux ans. Parce que en réalité, ce dont il est question là, c'est que dossier corruption qui n'a ministère affaires étrangères là, il a joué pieds et mains, Claude a joué pieds et mains pour ne pas jamais, pour ne pas faire surface et pour ne pas hypothéquer potentialité en termes de et l'évolution qui va venir là. L'avenir politique. Lui. Et coup de 400 ouais, Claude fait là, c'est un calcul politique. Et nous pouvons voir que j'ai commencé à plein dans la classe politique là, parce que en réalité, Madame Dupuy n'a pas réglé rien dans le ministère des Affaires étrangères en termes de combat de corruption. Guys, marquez ça, Mdoula, là. Ah et bon? Oui, je dis à la prenne. Vous parlez de comme ça? Sous. Ah, camarade. Tu m'expliques bien, vous pensez. Je parle de ça de là. Le dossier corruption Washington, non, là. L'impliquer Claude Joseph à travers J'ai l'homme juste qui se cousin Claude juste dans zo J'ai l'homme juste dans zo J'ai l'homme juste cousin Claude et Claude qui dénomine J'ai l'homme juste et aucun bé monsieur côté que 50 000 dollars un paquet de 50 000 dollars américains à ce Chili qui peut aller directement dans l'adresse la cagne J'ai l'homme juste alors qu'il t'a supposé aller dans l'ambassade là. Okay. Écoutez bien de ce dont il en est et le pire, je dis à la, tout jouet Claude Tegué, il y a une diplomatie, à tout retourner une fait surface. Ou sorti ton jeune homme là qui paraît un petit bizarre, Erwil Gaspar. Erwil Gaspar. Qu'est-ce qui t'a nommé Erwil dans l'ambassade dans l'Indo? C'était Claude? Claude Joseph? Oui. Libé-Crop, il n'y a pas de faire audit. Audit révélé Libé-Crop et consulat Orlando. Est-ce que ça t'a voulu dire que... L'écrasé consulat? L'écrasé le plat. Diplomatie a indirectement avec Claude Joseph. Mais c'est ça Claude fait là, oui. Il peut indirectement pour tout faire l'affaire là, c'est ça le fait. Gary Coni t'a déjà dit que t'es déjà appelé Kembe ministère ça professeur. Gary Coni t'a déjà appelé Kembe. C'est en fonction de l'enquête qui t'a déjà mené, ou à regarder qui ça va galayer. Et comme si nous pas besoin d'attendre grand chose. Bon deal, bon compromis. Ok. Nous, quand il y a naïveté à commencer à arriver trop loin, parce que tu nous dis non, tu bagailles. Vrais enjeux, c'est un jeu électoral. Ok. C'est un jeu électoral. Tout le monde a battu pour faire mes mises et puis pour consolider, pour voir, empêcher que des cas de corruption ne pas révélés, pour ne pas limoger sur cette politique-là. Oui, oui. Et pour cela, ils ont obligé de mettre Gary Chita. Ok. Gary vini au ballon de Chita,
yo ramené à l'ordre. Et puis qu'on y a. Vous avez parlé vite, yo fait le proposé. Yo, oui, yo encadré Gary. Yo dit bon, écoutez, chita là, mais comment on va la faire fait? Et c'est ça que fait Gary, vint au stomaté parce qu'il n'a pas de pouvoir dans le même. Les gars, il n'a pas cassé rien. Yo dit, mais comment on va la faire fait? Oui, et telle position ça, c'est un tel ou à mettre la donne. Nismi Maniga. Position ça, mais quand tu vas mettre un tel là-dedans, qu'on y a sous-remarqué bien, toute sa Gary promesse, Gary t'es fait, si vent t'es soufflé, pensez Gary t'as pas combattre corruption, nous remarquons que ce sont les corrompus qui sont encore au pouvoir. Au clair, oui. Et journée aujourd'hui, nous voulons un message fort, by pop, l'y a un côté positif là-dedans. Côté positif là-dedans, c'est que c'est face à l'insouciance du peuple haïtien pour les cas de corruption. Et qui mettait nous là, je veux dire là. Nous, en quelque sorte, toujours voulons fermer les yeux, nous, sur la situation, ça, parce que nous estimons que ces hommes sont des hommes puissants. Mm-hmm. Système non puissant. Système n'est pas aussi puissant, tout autant de volonté pour combattre le système non. Lorsque choisi d'entrer dans le système non, collaborer avec la classe politique, ça, on va bénéficier quelques avantages, mais on va venir l'autre compu primal et on va faire du tort à l'avenir de la nation, à l'avenir de la population, ça qui est déjà dans la classe. Mais cependant, si vous avez un minimum de conscience historique, pour comprendre que pendant 200 ans qui passent là, nous ne pouvons pas continuer comme ça, il faut une rupture. Monsieur Mabdion Tibagay, on va obliger, engager sur une voie de yon nouvelle Haïti à travers une rupture, côté que pour accoucher une révolution pour changer ça. Mais sinon, c'est toujours même maquillage ça, il y a bail. Et même on y a tout ça. Qu'on y a vini, la fait élection, et puis pas étonner nous, pour nous ouais, même figure politique, classe politique, qui des dossiers Petro-Caribé, qui des dossiers CIRH, qui n'a dossier CNU, qui n'a dossier FNE, tout n'est que ça y aurait retourné, le fait surface encore. Parce que mécanisme de corruption, ça, y a pas qu'à quitter l'éclaté. Il n'y a que la révolution qui peut juger tous ces chenapans, tous ces corrompus, pas que l'autre bagay qui t'a fait. Ou pas qu'après Gary Conny pour du Gary Conny pour aller arrêter, pour aller bataille contre la corruption. C'est une aberration. Parce que même la communauté internationale impliquée dans la corruption en Haïti jusqu'au dents. C'est avec un peu de tristesse là, expliquer et pas coup petit garçon. Ça triste. Le coup désir fait parler sous dossier petit garçon là. C'est le journaliste là, Stéphane, pas touye tête li. Et c'est ça. Il y a un peu de monde qui dit touye tête li. Mais Louko dit pas tout était ça qui passé. Et Woni bouton ton en dans des déclarations Louko en dans ensemble. M'pas de gon ti monde dépressif. Stéphane c'est un coup Louko désir, c'est ça fait que li relé Louko désir. M'pas de gon ti monde dépressif. Ça gagne 2 semaines, nous sommes payés vacances pour yo, nous sorti Los Angeles. 2 semaines nous sommes fait vacances Los Angeles. Stéphane t'as coup toute famille me remet la vie. Même avec Neysa, Neysa, son petit monde qui a chanté l'église, son superstar, lui aimer la vie, même j'ai pas parlé. Nous voulons prendre ça que Stéphane. Stéphane, c'est lui-même qui met Kaila. Moi, je dis, monsieur, listen, boy, you are the man of the house. Et monsieur prend responsabilité. C'est un enfant responsable. Maman, je dis, il n'y a pas de médicaments pour le prendre. Parce que les mamans à l'hôpital, les mamans à la médecine, ils ont maman en prescription. Ok, c'est Stéphane qui a acheté les médicaments dans la pharmacie. Après ça, il met une plaquette d'Eli. Lundi, mais qui comprimé pour le prendre? Mardi, qui comprimé, mercredi, qui comprimé. Et puis chaque matin, il peut comprimer pour maman. Dans lundi, mardi, jeudi à maman, par contre, qui comprimé pour le prendre? Ni lundi, ni mardi, ni mercredi. C'est ça, Stéphane. Là, il y a un problème dans le couple. Là. Stéphane a pris le téléphone. Là, Stéphane a remarqué que maman a crié. Il dit, what's wrong, mom? What happened, mom? Et puis maman dit, yo daddy. Et puis il a mis le téléphone pour dire, daddy, what happened with mom? Et puis il m'explique, il dit, no daddy, you wrong. Pas grand rien nous pas dit, petit non. Pas grand rien nous pas discuter à petit non. Ok? Je dis à Stéphane, pas suicider tête. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et je vais vous montrer un côté qui est là. Il y a autre chose.
Jeudi soir, mes téléphones moi là. Jeudi soir. Il était 7h ou 7h, 8h. Moi dans le téléphone avec Stéphane. Stéphane a gradué. T'as supposé graduer le 28 juin dans Nova University comme ingénieur mécanique. Semaine ça, c'est finals, c'est examen final. Stéphane fait 2 semaines, 3 semaines focus sous étude li. Parce que lui connaît sacrifice que papa a fait pour payer l'université pour lui. Et on t'a parlé avec lui, dit Daddy, I'm proud of you. And I will be proud, ok, pour me porter licence en bas ou pour me porter master en bas. Mais si mon jodi a demandé qui suscite de tête, pas de dépression, la caille, petite pam, la famille pam, pas de la rosa. Ça veut dire que tu as une bonne familiarisation entre vous même avec petit. C'est ma famille, toujours gagné. Et le téléphone là, toujours gagné. Et tout le pays a connu que moi, mais famille. Tout pays a connu que moi et madame, mwen. Tout pays a connu que moi et mes petites. C'est tout le monde dit dans l'émission de débat. Et éducation que mes petites parlent, c'est éducation à la haïtienne. Et Stéphane, c'est un petit monde qui reçoit une meilleure éducation qu'on famille capable de faire un petit monde. Je dis à la, pas un petit monde qui est dépressif. Dossier dépressif là, retiré par là, par là, sa pièce. Voilà, mesdames, messieurs, nous continuons avec le dossier. Président syndicat CAS, là, qui c'est Jean-Tony Forest, eh bien, il parlait par rapport avec aide Mounio continue à jouer là dans CAS, eh bien, bénéficiaire ou même, il fait ou connaît, il espère, il continue à recevoir Ticobio, parce que nous-mêmes, nous payons pour ça, nous payons pour yon bayou l'argent ça. Eh bien, bon, nous avons des déclarations, président syndicat CAS, là, qui c'est Jean-Tony qui parle de détails sur Moun Vulnérable, et qui suppose bénéficier de l'argent dans CAS. CAS là, définitivement, non Jean Lier pour nous les dégrader. CAS n'a pas qu'à prendre responsabilité. Parce que CAS a responsabilité, c'est des gens qui sont vulnérables. Péol ça, même les augmenté de 2000 gouttes, il était 2000 gouttes, mais 2000 gouttes sous lui. Mais ça fait presque un an. Moun n'a pas jamais touché. Et je dis à Ovin touché. Deuxième baille, CAS a pas réduit seulement avec les bénéficiaires. Nous sommes le CAS a été fait cantine. Nous avons un problème de sécurité qui cause à la ville camper. Même penser si la direction qui l'a qui fait travail, il faut le retourner avec elle. CAS est là pour payer l'école pour tout le monde. Il est là pour payer le loyer pour tout le monde. Il est là pour le centre d'accueil. Juste pendant qu'on a parlé, le CAS qui est alimenté. Nous connaissons un problème de sécurité. C'est-à-dire que tout le bagage, le CAS est pour le prendre en compte. Pour le tourner CAS ITA. Nous même en tant que président syndicat CAS, nous avons une bagarre nous demander. Jusqu'où il y a directeur qui là son directeur il était venu en crise. Et là il était venu en crise, il était venu pour bien déterminer c'était résoudre aider résoudre problème non emploi pas touché toute série de bagarre. Mais il était un programme tout. Nous te travaillons ensemble avec nous te ballon programme tout et programme n'est pas respecté à savoir 4 débit directeur après c'est gagné 1 an nous pour jeune 4 débit. Bon, il fait il dégage, il paye l'aide de 2 mois. Il bat 1 mois. OK, nous avons une cantine là, écrasé. Téléphone nous avons, nous pas gagné encore. Jusqu'où nous pas assurance. Nous même nous dit dans tout ça qui a passé CAS, l'en rete bien garder nous toujours son 4 CAS qui pour ta directeur CAS qui pour mener CAS. Parce que nous ca prendre exemple une seule fois on était nommé un 4 institution comme directeur CAS. Tout ça me dit là, on fait tout de suite. Elle était un mec moins 1 000. Les habits gel étaient 16 millions de gouttes. Jodi a budget passé à 40 millions de gouttes. Donc vous sortez de directeur adjoint sur deal. Nous n'avons pas de problème avec le directeur qui là. Nous n'avons pas de problème avec lui. Comment ça me dit là? Mais nous pensons qu'il faut qu'on remaniement pour faire CAS. Et pour le faire, nous souhaitons que c'est un jeune cadre de l'institution directuelle. Si vous voulez faire un l'état sérieux, si vous voulez faire un l'état sérieux, vous voulez faire institution reprendre mais il faut que nous sortions dans le deal politique là. Soit à ministre, soit à politicien. Parce que chaque fois un politicien prend une institution, il écrase, il écrase. Il y a un deal politique, il y a une dévance envers les gens qui mettent la folle PL. Parce que si son cas d'institution qui directeur boîte là, il y a une dévance envers boîte là, envers bénéficiaires.
C'est ça nous souhaiter. C'est 40 millions de gouttes là qui sont petits, qui fait que le directeur n'a pas qu'à répondre à besoin d'employés. Je pense que c'est ça tout. Parce que dans nous, il y a un problème, il y a une plus. Il y a plus de misère. 40 millions de gouttes là, ils sont petits. Or, après l'interview, ça, m'a bon un document qui est publié dans le Moniteur qui dit que DGI a 10% dans construction foncière, il n'y a pas de jambes. 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 Il y a un total de 28%. Il n'y a pas de jambes. Nous avons demandé au conseil présidentiel là avec M. Gary Koni pour le temps de voir l'emploi CASO. Et puis, pour le fond, pour le parler à mon DGI, pour que si vous avez entré recette ça pour nous dans le système, nan, pour nous joindre, pour avoir plus de accès à social là, à faire social, à ça au besoin, moun vulnérable. Parce que c'est pour yon là, sans yon pas de CAS, et si vous la vini, nous pas baye oul. Nous pas faire rien pour yon, nous pas de besoin là. Nous remarquons que vous présentez un tableau sombre sur la situation CAS, mais maintenant la directeur a choisi d'augmenter le payroll bénéficiaire. Oui, son bel geste lié. Nous travaillons avec tout le monde dans le syndicat pour augmenter le payroll. Pour te augmenter comme bénéficiaire. Moi je dis oui, son bel bagaille il fait, mais il prend un an pour le faire. On dit que tu as gagné un an, 7 juillet. Depuis le vignan, il lance son il joue nous payroll qui t'est lancé déjà le fait. Depuis là pas de jambe qu'il y a un payroll qui t'est fait encore. Pour jodi a 7 juillet pas un an, bilan très sombre. Bilan mec. Li mec. Problème sécurité là dans le tout, pas qu'à déplacer tout ça là dans le tout. Vous comprenez ça nous là recette là on tient en petit. Sous payer bénéficiaire ou pas payer employé en même temps payer bénéficiaire, tout ça ou là-dedans, ça veut dire, c'est ça que fait demander le conseil présidentiel là, M. Gary Koni, pour regarder ensemble avec responsable ici, comment vous pouvez augmenter les recettes là pour nous. Parce que vous pas qu'il y a des institutions qui doivent CAS, tout, qui ne peuvent pas payer. Nous connaissons le problème de sécurité là-dedans, nous insistons sur ça. Nous connaissons là-dedans tout. Oui, il y a un pile, vraiment, qui ferme. Mais l'agence CAS sur tout côté, on a primature, on a parlé. Comme ça, on a pris ça au pas bas institution pour faire le marché et pour aider Mounio. Parce que Mounio a besoin. Parler pas fonctionner. Bon, parler lui fonctionner, même les parents présidents. Mais ça, quand on vient pour CAS, ça a au bas dans la communauté internationale là pour CAS. Il a allé, il a parlé, il a primature. Demandez M. Gary Koni, qui c'est PMPIA, pour prendre responsabilité et pour le garder. Côté recette ça est pour nous, pour faire rentrer dans le caisse ça, pour faire un plus de privilèges. C'est pas la même chose. Comment employé CAS au fin de travail à côté de sécurité ça? Bon, yon vini par roulement. Yon vini par roulement. Par exemple, si mon nom vini aujourd'hui, il fait 3 jours, et puis l'autre vini. Parce que nous ne pouvons pas forcer pour sauter la peine, pour sauter quoi des bouquets, pour sauter gaffe, pour chaque jour pour le vini, il n'est pas capable. Soit le dormi en bas ici, ou bien nous faire roulement. Yo vini, yo pas vini en grande quantité, mais matin, ou après, les gens payent, les gens activités. Yo vini. Moi-même, c'est Jean-Tony Forest, président syndicat CASA. Jean-Tony Forest, président syndicat CASA. Qui est CAS, syndicat employé CASO. Or, nous redis encore, nous demandons, conseil présidentiel là, avec M. Gary Koni, pour nommer en 4 boîtes là. Merci avec chaque grand fanatique et restez branché n'a pas tourner pour l'autre émission qui va venir. Merci en pile. Bon Dieu bénisse nous tous.